On se retrouve pour la partie 2 de notre excellent walkthrough de Dead Space, évidemment. Dead Space en mode hard. Donc j'ai le son du casque à fond, alors j'espère que je vais pas parler trop fort. Isaac, on a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Oula. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Oh là, dis donc, oui, bah, va le faire. Fais-le toi-même, hein. Nous, on est là pour visiter. On est en vacances. Ok. Ok. On va s'occuper de ça. Attends, déjà je loot. Je loot un peu. J'ai mis un nouveau filtre sur le micro. Je vois que déjà dans le chat, il y en a certains qui s'en sont rendus compte. Et... Ouais, hein? C'est impressionnant. Hein? J'ai bien. Ça m'a fait la même chose. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avec moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais je sais que vous le savez. Bon, des balles d'assaut. Tout à l'heure, en faisant un petit test son. Bon, je fais une petite sauvegarde qui ne sert à rien, mais ça me permet de vous parler. En faisant un petit test son, je me suis rendu compte qu'avec l'arme secondaire, la mitrailleuse, là, celle-là, on pouvait faire une attaque. Je vais pas la faire ici parce que ça gaspille énormément de munitions, mais on pouvait faire une attaque. On se met à genoux, on tire autour de nous. C'est pas mal, pas mal, hein. Ça m'a beaucoup plu. Donc, il veut qu'on aille par là. Et l'idée, c'est de faire quoi? Parce que réapprovisionner le moteur, réapprovisionner le moteur, activer la centrifugeuse. Ok. Mais d'abord, on regarde ce qui se passe. Bon, ici, ça va comme tu veux, mec. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait 2 jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthew est mort. La panique, les émeutes, c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus, différents. Ils sont là pour nous tuer, jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux, mais pour l'instant, on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Oui, bah tu fais comme tu l'entends, hein. On n'est pas là pour juger. Très bien. Ça, j'aime beaucoup. Recharger. C'est mon arme favorite. Comme vous avez pu vous en rendre compte dans la partie 1 que vous avez regardé. Vous étiez des milliers à regarder la. Et je vous en remercie. Hein. Vous étiez des milliers à regarder la partie 1 de notre walkthrough sur Dead Space. Là, on peut appeler l'ascenseur. Mais on va pas y aller. On va suivre ce qu'il nous dit de faire. Stock. On regarde vite fait là, un petit peu de menuing hein, en début de partie, c'est normal. Hein. On a quoi? On a 2200. Et on a combien dans l'inventaire? Non, on est bien, on est bien. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Arrêtez sur le chat. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Pas de copains hein, si vous contestez tout ce que je dis. On peut pas faire un stream de qualité si vous pestez. On est là pour se divertir. Hein. Bordel de merde. Bon alors là il s'est passé des choses. Voilà, je peux vous assurer qu'avec le son du casque à fond, ça m'a un petit peu chamboulé. Avec le son du casque à fond, ça m'a un petit peu chamboulé. Là, on a trouvé quoi? Un message? Un message écrit. Journal pont, c'est Allo. Il est mort. Je ne sais pas ce qui se passe. Le vaisseau aurait été attaqué. Mais qui voudrait nous attaquer ici? D'abord, le capitaine meurt, et maintenant une attaque. Selon Carmack, c'est un membre de l'équipage qui l'a tué.
Foutaise. C'est le chaos ici. Je ne peux plus attendre la passerelle ou qui que ce soit. Tout le monde tente de fuir de cet enfer. Je devrais faire pareil. Ok, mec. C'est toi, donc. Ça s'est mal terminé. La petite évasion. Est-ce qu'on a... Je crois pas qu'on ait de points de force. Hein. Si, on en a deux. Oui, évidemment, on en a deux. Donc, évidemment, le trancheur. Alors, dommage. Voilà. Et je serais tenté de... Pas capacité. Je serais tenté de garder l'autre point. Pour... La capacité, c'est intéressant, mais on en a pas énormément. Hein. Les capacités... Non, pas ici. Recharge, non. Ça, c'est quoi? Mine. Ah oui, ça, c'est pour la mine. Et plus de dégâts. Moi, je suis tenté... Ouais, mais... Et on fait capacité. Ah. On a besoin de pas avoir chargé souvent. Vous serez bien d'accord. Allez, on continue. Non, capacité, on est passé qu'à 6. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Des fils d'Ariane, bien pratique. Et on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Bon, on suit le jeu. Ouais. Bien fait d'aller là et de looter. Je suis très surpris quand même du comment la caméra est proche. C'est, je me souvenais plus. Oui, c'est vrai qu'on peut se ramener à nous les munitions. Oui, oui, je sais que je dois aller par là, mais j'aime bien fouiller. Voilà, 900 balles. On a pas passé à côté de 900 balles. Mais non. Et comme là, on n'allait pas passer à côté de ça. Allez. Pour courir celle-là. Condole. Anomalie. Macro PK requis. Oui, bah ça c'est pas un souci. On le maîtrise. On maîtrise peu de choses, mais ça on le maîtrise. Ah oui, c'est vrai, la caméra est vraiment très très proche. Alors. Plein d'énergie activé. Ok. Et après, je me déplace tout seul. Ah non. Il y a une petite console. Il y a une petite console, évidemment. J'ai vraiment le son super fort. Voilà, j'ai baissé un peu. Non, j'allais devenir dingue. Cette petite... Oula, quoi? Il est pas mort. Putain. Il est costaud, lui. J'espère que j'ai pas trop gueulé dans le micro. Il est costaud. Ah, j'avais pas vu, il y avait des trucs pour les faire exploser. Merdouille. Attends, on en a plus du tout là. Et là, on a plus que deux. Ouh loulou.
On est dans la mouise. Quoi? J'ai entendu un truc qu'on pouvait ramasser. Il nous dit d'aller par là, oui. Bah alors, du coup, moi j'ai envie d'aller par là. Ah, il faut que je me heal. Non, je préfère me healer moi-même parce que des fois il utilise les gros alors que un petit suffit. Bon, pour le coup, non. Il faut utiliser la stase hein, pour les ralentir, hein, sinon on va jamais y arriver. Hein. Putain, j'en ai. J'ai encore utilisé un gros là, je suis sûr. J'ai encore appuyé sur carré, hop, putain, mais je suis vraiment une buse. Hein. Il va ressortir par où là? Putain, j'ai utilisé une double ration de vie. Que dalle. Ça fait chier. Hein. Vous entendez les murmures là? Pour faire peur, ça. Hein. Évidemment, ça marche pas sur moi. Évidemment, ça marche pas sur moi. Ni sur mon petit chien. Il est où? Ah bah, je peux pas le caresser. Voilà. Voilà. C'est une brave bête. Je l'ai mis là maintenant parce que il me protège quelque part. Il me protège du chat. Ah, on a un découpeur. Parce qu'il y a de la malveillance sur le chat, hein, des fois. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Plein d'énergie activée. Moteur principal prêt pour activation. Quoi que vous ayez fait, ça marche, Isaac. L'énergie est revenue. Les réserves sont pas pleines, mais si vous relancez le moteur, notre orbite devrait se rétablir. Qu'est-ce que... Fausse alerte. J'ai cru voir une ombre. Ah bah, ça me rassure. Ça me rassure drôlement. On va faire souvent le fil d'Ariane, hein. Je vous préviens. Putain! Ah, je vais crever ici. Putain, mais c'est pas possible. Bon, ça c'est la technique russe. Hein. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Putain, mais j'ai plus de vie. Hein. J'ai fait n'importe quoi là. On n'y arrivera jamais. Hein. J'ai plus que des munitions de ça. Comment on va faire? Ah là, c'est le vrai survival horror. Hein. Il me reste même pas une petite... Ah si, il me reste un petit peu à bouffer. Une double.
Et quoi, on va se balader avec ça. Hein. Après, on va prendre le point de force. Ah, comment j'ai pu le louper celui-ci? Il nous demande d'aller par là. Ok, mais on prend ça. Hein. Comme ça on est bien là. Il y en a qui nous emmerdent, on lui balance à la gueule. Je l'ai plus. Elle a disparu, enfoiré. Ah, il me demande d'aller par là? Oui, d'accord. On a plus grand chose, hein. Il est pas mort. Putain. Il me refile rien en plus. Pareil. Allez. C'est de la vie, hein, ça. Il me faut des munitions là. Là, on est dans la merde. Carrément la merde même. Oh, il transforme toujours les autres en super monstres dégueulasses. Jamais pouvoir les tuer. Y'a plus rien. Puis quand je dis qu'on a plus rien, c'est qu'on a plus rien quoi. Combien il me reste de balles? On en a quand même un petit peu. Va falloir faire de la stase. Hein. Comment on recharge la stase sans passer par le menu? Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui fait ce bruit là? J'ai pas l'impression. Attendez, on fait une sauvegarde déjà. Oh, c'est toujours aussi Tandax. Toujours aussi Tandax.
Chez Metal découpeur. Cutter plasma, trancheur. Le découpeur, c'est la scie là. Hein. On le prend. Hein. On prend le découpeur. Il nous faut des énergies plasma. Voilà. Ok, bon, déjà on va être un petit peu plus. Non, on peut le recharger. Ok, donc là on en a 12. Hein, on a un peu plus. On a un peu plus. On est un peu plus serein, enfin on en a 12, 18. Et par contre ça, ça je sais plus ce que c'est, mais c'est bien. Hein. Allez, je refais de sauvegarde et puis on avance. Oh, on perd un peu de temps, mais... Vous, voilà, je le dis toujours, vous voulez le dessert alors que c'est l'entrée. C'est quand même fou ça, hein. Ah. Le dessert, c'est l'entrée. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Activer la centrifugeuse. Ok, on est là et on doit aller là. Bon, et s'ils nous ont donné cette nouvelle arme, c'est pas pour faire joli, hein. Tiens, allez, on va utiliser le plan. Parce qu'on a gagné un macro. Ça, c'est la portée. Énergie, durée, ça, c'est pas mal. Hein. Oh putain, les salauds. Il faut en utiliser plusieurs pour que la durée soit plus longue. Améliore l'énergie de 20 points. Et la durée. C'est des salauds. Moi, je suis pour que mon arme d'assaut elle soit plus. Qu'il y ait plus de capacité. Ça dépend. Et le découpeur. Plus de dommages. Cutter plasma, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire de toute façon, lui. Et le trancheur. Faire la mine. Non, on va faire le découpeur, on va faire plus de dommages. On sait pas encore ce que c'est, mais ça va être très bien. Je pense que c'est une scie. Je crois que c'est une scie, hein. Ça va nous être utile. Attends, c'est pas du tout par là qu'il faut qu'on aille. Voilà, c'est par là. On a ramassé là. Attendez, là il y a plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le veuf, c'est Anderson. Il est fou. Il s'arrache ses dents. Anderson, arrête ça. Il est mort vivant. Mais ça a dû lui faire mal. Merde! Pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça? C'est pas possible! Bah alors, c'est pas du tout par là qu'il fallait que j'aille? C'est quoi cette folie? On va prendre la nouvelle arme pour voir ce que ça vaut. Salle de contrôle. On va bien voir. Alors, en plus d'un nouveau filtre pour le son, hier je vous ai gâté. Hein. Bon, il y en a qui le savent déjà, mais il y a le chat maintenant. Alors, évidemment, bon, pour le moment, il est un peu calme. Ah, mais on peut pas tout avoir. Si des fois il y avait une fulgurance, une mouvance dans les propos, ça s'affichera juste là au-dessus de ma tête. Et le chien et moi,
On lira ça avec bien plaisir, comme on dit. Avec bien plaisir, on lira. Et on répondra, si besoin. J'ai envie de refaire une sauvegarde. Ben, on joue en dur, hein. J'ai pas envie de me retaper à chaque fois les améliorations et tout le bordel, hein. Excusez-moi. En plus, ça prend 2 secondes, alors vous. Là, je vois déjà qui se plaignent. Ça prend 2 secondes, ça va. Oh là là. Quand vous regardez les mecs jouer à League of Legends et que vous comprenez rien pendant des heures, vous plaignez pas. Bon alors. Bah, vous dites que c'est pareil. Y a qu'à vous dire que c'est pareil. J'ai hâte de savoir quel est le tir secondaire de ça. Warning, mandatory decontamination. The gravity centrifuge is fragile equipment. All authorized personnel must undergo and thorough decontamination seconds before accessing the core. Thank you. Oui, d'accord. Petite recharge d'air. Bon, je sens que ça va être un combat en apnée. Ouais, il m'enfile des soins. Ici Temple, la centrifuge est arrêtée. Bon sang, on a un rocher de 4 milliards de tonnes collé au cul. Et sans la centrifugeuse pour équilibrer, les rayons tracteurs vont nous faire tomber sur la colonie. Je vais me rendre là-bas, voir ce que je peux faire. Oui, fais donc ça. Nous aussi, on veut pas tomber. Bon, il me file pas mal de... Ah, j'ai toujours pas de cutter plasma. Hein. Ça m'ennuie parce que moi, j'aime beaucoup. Ah, voilà. Inventaire plein, dents tranchantes. Comment ça? Ah oui, mon inventaire est plein. Mais j'ai des dents tranchantes. Bah, je prends ça. Par contre, qu'est-ce que c'est ce truc là? Qui nous prend de la place? Lame de découpeur, munitions pour le découpeur, ok. Schéma combustible. Amener ce schéma au stock. Ah oui. Bon, on le fait tout de suite, il est là. Ah non. Là, c'est le plan. Ça nous prend une. Ça nous prend une. Un slot pour rien. Mais bon, on va vite vider le chargeur, donc je me fais pas trop de soucis. Décontamination, je me souviens de cette salle. Décontamination en cours. Veuillez patienter. Oh putain. Ça fait son fin effet avec le casque, hein. Là je peux vous garantir. C'est pas mal. Ben, je pense qu'on a bien fait là de prendre le. Décontamination terminée. Merci de votre compréhension. Ah oh bah ben, oui, mais je t'en prie.
Ça fait son petit effet, hein. Ouais, c'est très très bien le... C'est très très bien le découpeur. C'est mon arme, c'est ma seconde arme favorite. C'est ma seconde arme favorite, c'est dit. Ok. Ouais, donc du coup, moi j'ai envie d'aller par là. Et j'ai bien fait. Et pour réserve. Et là, un point de force. Sur la carte, ça se manifestait comment? Alors, on était au bout. Elle est pas évidente, hein, la carte. Hein. Mais bon. Oh là là, il y a un gros monstre qui est sorti de par là. Je crois me souvenir un peu. L'embarras du choix des armes là. Hein. Très bien, ça me fait très plaisir. Ah, inventaire plein, non, non. C'est choc à chaque fois que ça s'ouvre sur la carte. Hein. Voilà. Ça, on a de la place. Non, non, il nous faut absolument le truc d'air. Hein. Pas déconner, hein. Comment ça se trame. On va voir quelle sauce on va être mangé. Entrée zone sans gravité. On va essayer de jouer bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Je me souvenais plus, c'est que c'était si élaboré quand même de pouvoir Ah oui, d'accord. Il est où? On n'a
pas mal choué. On s'est bien servi. Merde. Non, elle était déjà cassée. Pas mal hein. Pour l'époque déjà là c'était champion. Alors, je regarde s'il n'y a pas un truc à prendre avant. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Ah putain. Je suis trop con. J'espère qu'ils ont fait un petit checkpoint. Ouais, merci. Donc la sortie, elle est où? Avant que je fasse toute cette connerie. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Ouais, mais avant, je me souviens que j'étais mort en boucle ici. Il y avait un truc que j'avais pas tilté. On va y arriver, on va y arriver. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Bon, on peut la ralentir, non ouais. Non, ça l'a ralenti que dalle. Peut-être qu'on aille par là. Ah non, on peut le faire petit bon à travail, petit. Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. En fait, c'était dans l'autre sens. Allez. On tente le cul. Ok, ça me remet de la petite vie. Ouais, en fait, la dernière fois, j'ai essayé d'y aller dans l'autre sens, mais évidemment, ça ne fonctionnait point. C'est bon? C'est bon, on y est. C'est bon, pas de problème. On gère. Nos sosailles, comme disent les jeunes. Sortie zone sans air. Voilà. Oula. Putain, et oh, oh.
j'arrive pas à lui à viser. C'est pas possible. Ah mon dieu. Bon, il y a eu un petit souci là de d'ordre technique. C'est pas de notre fait, c'est pas de notre fait. C'est pas un jeu qui est fait pour jouer à la manette. Non, bon, on va garder le trancheur. Hein. Vous êtes bien d'accord? Je pense pas qu'on puisse la ralentir. Bon, on va essayer de faire ça mieux. Et je vous rappelle qu'on joue en hard. Hein. Que forcément, il a des patterns bien plus durs. Putain. Putain, mais c'est impossible de viser. Oh, oh, oh. Oh là là là, il restait une balle. Et puis lui, on le reverra. Faut être certain. Faut être certain qu'on va le revoir, lui. Il va rester... une cartouche. J'ai bien fait de tirer avec ça parce que le flingue, en fait, enfin le fusil là, il est très gentil mais il est pas assez puissant. Ah non. Heureusement qu'il y a le fil d'Ariane. Bon, on a relancé la centrifugeuse. T'es content, papy, là? Ok. C'est par où on est venu. Oui, oui, c'était la salle de décontamination. D'ailleurs, on s'est pas trop mal démerdé. Hein. Il va y avoir une décontamination encore. Je l'ai vu, lui. Hein. Elle est bien efficace, hein, cette arme. Hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Elle est drôlement bien efficace. Bon, je pense qu'ici on a tout pris. S'il faut qu'on aille ici pour se délester d'un slot. Et puis en plus on a un point. Le découpeur, c'est vraiment bien. Par contre l'arme d'assaut, qu'est-ce qu'on fait? On fait la capacité ou alors rig. Ah attends, ça c'est la vie. Là on aurait plus d'air. Ou alors le module de stase. C'est la portée, on s'en fout un peu. On a besoin de plus d'air. On s'en fout un petit peu. Hein. Non, on va faire la capacité du trancheur. Hein. C'est quoi? C'est l'amplitude après? La recharge, on s'en branle. L'arme d'assaut, la capacité. Et après les dommages. Ah putain, on perdra forcément. Il faut faire un choix à un moment donné. Hein. On fait quoi? On fait la capacité pour le trancheur. Allez. Moi, je pense que c'est une bonne. C'est un bon compromis parce que c'est quand même l'arme dont on se sert le plus. Bon, là, on peut pas s'en rendre compte parce que je peux pas le recharger, mais on sait qu'on a fait le bon choix. Vous, chez vous, vous savez. Chez vous, vous savez que le choix était judicieux. Parce que vous connaissez le jeu mieux que moi. En fait, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai déjà fini deux fois. Là. Tu me reçois? Je vais vous dire ça après. On nous cause. Ils m'ont suivi. Je me suis enfui. Amanda. Il a disparu. Kendra? Où êtes-vous? Heureuse que vous soyez en vie, Amanda. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je peux accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ce serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe.
Allez, continuez. J'ai votre position, je vais débloquer l'accès aux réserves de fuel. Elles vous mèneront à la salle des moteurs. Oh, c'est gentil, tu veux pas le faire avant? Avant de sauvegarder, on va s'acheter 2-3 trucs, hein, parce que là, il y a des gens, on va revendre. On va revendre pour se faire un petit peu de sous, parce que en mode difficile, c'est difficile. On va revendre, alors les balles d'assaut, non. Mais on va revendre, je crois qu'on a un... On avait pas un... Voilà, semi-conducteur or. Oui. Oui, c'est... Sans regret, bah oui. Voilà, on va s'acheter du combustible, ça on s'en fout. On va s'acheter du... Ou alors on s'achète directement un point de force. On s'achète un point de force. Des munitions, on va en trouver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le point de force, c'est la vie. Hein. J'ai pas fait de sauvegarde. Hein. J'ai pas fait de sauvegarde, je crois que c'est une erreur. Sachant qu'on peut mourir en boucle. Bon, vous plaignez pas trop. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, j'ai fini le jeu 2 fois déjà, dont 1 fois en hard. Il y a de cela très très longtemps. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. J'ai 41 ans, moi, madame. On me l'a fait pas. Entrée zone sans gravité. Oui, d'accord. C'est bon, on connaît le truc. On a compris ce qu'il fallait faire. Il veut pas là. Oulala, il y en a un qui nous a... On a échappé de... Putain, foiré. Voilà. Il est pas tout seul. J'ai plus de balles. Ah, mais tu vas crever? Il est où? Je crois qu'il est temps. Voilà. Comment on descend? Ah bah en fait... Zone sans gravité. On est idiot, il suffisait juste de marcher. Elle est là. Merci. Oh là, ça gueule ici, hein. Ta gueule ici. On n'a plus de balles là. Ils nous ont donné du découpeur plasma. Alors on va utiliser des couleurs plasma. Hein. Il s'est passé des choses ici, hein. Là, ça me donne envie d'aller là quand même. C'est ouvert. On peut pas courir ici. On est englué. Alors un peu de l'or. Ah oui, puis un point de force. Donc ça nous en fera 2. On a bien fait de venir là. Parce que j'ai ramassé. Toujours par de découpeur.
C'est pas mal, hein. Ok, on est bon là. Là, on est pas mal. Je sais plus du tout par où on est arrivé. Faut qu'on prenne l'ascenseur. Faut qu'on prenne l'ascenseur, on prend l'ascenseur. Hein. Nous, on n'est pas... On n'est pas regardant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends? Ah, au casque, c'est efficace, hein. Je vous promets. Je peux pas courir. Sont où? Non, parce qu'ils sont super chiens et ils me pompent la vie très rapidement. Ok. Puis ça y est, en fait, là je stream en 1080, hein, ça passe très bien. Hein. OBS me disait que ça serait mieux. Allez hop, on utilise un point de force pour rentrer ici. Je pense qu'on va pas le regretter. Des crédits. Un schéma. Des lames découpeurs. Non, on a bien fait. Et là, j'ai ramassé encore autre chose, mais je sais pas quoi. C'est marrant, on n'a pas du tout de... On n'a plus du tout d'armes pour ça. Hein. C'est pas grave. Bah, sachant qu'un point de force coûte 10 000 et qu'il nous file déjà 5 000. Bon, c'est moitié prix, quoi. On est déjà remboursé. Ouais, mais moi, j'ai envie de voir ce qu'il y a là, ici. Stase, c'est con parce qu'on... Oh putain, on l'a tué. Ça sent le gros combat en perspective. Ça sent le gros combat en perspective là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est mort. Hein. Alors déjà, on va prendre ça. Voilà, ça c'était bien joué. On va faire la même chose avec celui-là. Non. On va le laisser là, on va faire une petite sauvegarde. Là, c'était bien joué ça. Comme disait Hooper, c'était du bien joué. Allez, venez. Drôlement efficace, hein. Drôlement efficace. Là,
Je l'ai peut-être un peu gâché celui-là. Allez, on s'est pas mal démerdé. C'était pas mal. Et on a toujours pas de trancheur, hein, c'est rigolo. Ils le font exprès pour qu'on puisse servir des autres armes. J'aime beaucoup la scie sauteuse, hein, je vais pas vous mentir. On aurait pu faire d'autres choses. Ah bon, on regagne un point de force. Ah, on aurait pu se débarrasser d'eux avec moult choses, mais j'avais pas vu. Comme à mon habitude. Ah voilà. Voilà, enfin. Quand je dis ça, moi j'aime bien avoir les armes des autres. Hein. Je fais le tour, hein, vite fait. Je crois qu'on s'est pas trop mal démerdé. Là, je vois qu'il y a encore quelque chose. Énergie plasma. On peut encore le recharger, je crois. Voilà. Allez. Séquence d'allumage initialisée. Veuillez patienter. Putain. Bon. On est en hard. Il va falloir gérer un petit peu mieux ça. J'ai voulu faire le con à essayer de maximiser les trucs. Puis j'aurais dû brûler. Qu'est-ce qu'il y a? Par où on va déjà? Oui, voilà. Elle est où? Elle a disparu? Non, non, il me la faut. Je la veux, ouais. Je la veux. Mais pourquoi il tire pas? Ok, bon, faut pas qu'on fasse le con. Si on fait pas trop le con, on devrait pouvoir s'en sortir. Enfin, déjà. Inventaire plein. Je veux utiliser un petit. J'en ai pas.
On le prendra après quand on sera dans la merde. Déjà on va tirer de loin avec ça. On en a deux là. Séquence d'allumage initialisée. Veuillez patienter. Mais je suis trop con. Voilà. Comment ça, inventaire plein? Conducteur or. Bon bah on se reprend une stase hein. Je suis désolé hein. On aurait pu mieux se démerder mais bon. Normalement, il me reste toujours mon point de vie. Bah, ouais. Ah, il est toujours là. C'est très bien. Qu'est-ce qui me dit que je peux pas? Énergie plasma. Ah, il me le faut, ça. Il me le faut. C'est quoi? Ma découpeur, ah ouais, c'est des trucs qui me prêtent de la place pour pas grand chose. Bon, bah écoutez, pour le moment, je peux pas. Pour le moment, on ne peut pas, voilà. Allumage moteur. C'est bon. Je crois que c'est reparti pour de bon. Enfin une bonne nouvelle. Rejoignez la passerelle, Isaac. Pendant ce temps, je vais remettre le vaisseau en orbite. Minute, attends, c'est pas encore fini. Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus. Et ça tombe mal. On s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète. Si on répare pas ça, on va être réduit à morceaux. Bon Dieu! Je vais voir ce que je peux faire. Isaac, venez sur la passerelle. Vous pourrez certainement m'aider ici. Il se passe toujours quelque chose. Heureusement que je suis là. Je suis une espèce d'ingénieur. Je suis passé à une espèce d'agent de maintenance. Mais j'ai pas l'air plus traumatisé que ça par ce qui se passe. J'adore le fait qu'ils ne disent pas un mot. Ça joue énormément sur l'ambiance du jeu. Ça joue énormément sur l'ambiance du jeu. Donc là on a deux points de force. Enfin non, on en a plus qu'un. Enfin non, on en a deux puisqu'on en a récupéré un autre après. Faut pas aller trop vite dans ce jeu hein.
C'est moi, Nicole. C'est Nicole? Alors Nicole, c'est ma meuf. Alors Nicole, t'es où? Qu'est-ce que tu fais, Nicole? Bon, là, c'est une espèce de... C'est l'espèce de hub pour le chapitre... C'est bon, là, t'as compris? Ça, c'est pour le plaisir. Ok. On peut s'acheter des équipes de soins malins, des lames de découpeur. C'est quand même pas mal. Mais on a 12 000, on va se prendre un point de force. Parce que au niveau... Ah oui, mais attends, puis il faut qu'on vende. Semi-conducteur or. Alors, on a un kit de soins moyen, recharge moyenne, petite recharge. On a de la stase. On a des balles. On est pas mal, on est pas mal. Lame découpeur, moi j'aime bien le découpeur. Hein. J'aime même beaucoup. Ouais, voilà. Là on est bien là. C'est mon arme favorite. On en a beaucoup là, des larmes découpeurs, du coup. C'est chiant qu'ils s'ouvrent toujours sur la carte. Voilà, on en a 15. Oui, effectivement, on est pas mal. La mitrailleuse, bon... ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que par exemple, la petite recharge de... La recharge moyenne, on la met dans le coffre, quoi. On n'a pas besoin, là. On va faire ça. La recharge moyenne, voilà. Voilà. J'ai mal aux fesses. Ça vous intéresse pas, j'imagine, mais moi j'ai mal au cul un peu. C'est un siège que j'ai acheté qui est très bien. Mais qui me fait mal au cul. Il me faudra un petit rembourrage pour être vraiment bien. Une heure qu'on stream, mais j'ai l'impression que ça fait 5 heures tellement c'est stressant. Pas stressant, mais prenant. Ok, bon, bah c'est la fin du chapitre, hein, de toute façon. Hein. On sera fait un chapitre. Hein. On va certainement s'arrêter là. Hein. Voilà, chapitre 3. Correction de parcours. Très bien. Voilà. On peut passer en mode... À moins qu'ils nous disent quelque chose tout de suite, mais j'en doute. Non, bah alors il veut pas... Ah mais voilà. On passe en plein écran. Écoutez, ah oh là. Erreur professionnelle. L'envers du décor a failli être révélé. Non mais bon, un excellent jeu évidemment. Excellent jeu. J'ai un grand plaisir à le refaire. N'hésitez pas à me suivre. Hein, si ça vous plaît. Je referai une petite partie ce soir. Vers 19h je pense. Je regardais l'heure, ça se trouve il était déjà 19h. Non mais je referai une partie, en tout cas ce soir, cette nuit peut-être, vers minuit, je sais pas. En tout cas je vais refaire une partie. Et puis j'ai mon Instagram qui existe, bah, vous voyez tout, il y a tout là, sur le côté, pardon. Comment il faut que je regarde pour faire le professionnel, voilà. Enfin c'est par là, voilà. Et tout au nom de Bosseron 14, donc c'est très très facile, vous pouvez même voir toute ma vie. J'expose tout, j'ai besoin plus rien à foutre de rien. Voilà. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous.